On va faire une petite dinguerie. On va tester le kata MR avec le viseur laser Morse. Ah ouais. Ah, on va essayer. Allez, c'est parti, il y a des forteresses localisées, on s'en fout, on va se tenter une classe caca. D'ailleurs, je viens d'avoir un petit échantillon de l'odeur. Kata MR, viseur laser Morse. Ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais on va essayer. On va commencer par prendre la première cache. Ouais, normalement ça aurait été bien si dedans... Ouais. Si dedans il y avait un largage, ça aurait été cool. Mais bon. Ok, la DG56, pourquoi pas. Bon, on sait que le gars est là, on peut aller voir. Alors, mon petit père, ouais, c'était pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Bon, au moins, on a un premier kill, c'est fait. On a la thune pour acheter le largage incessamment sous peu. Ouais, au pire, un peu mieux. Allez, c'est bon, on a l'argent pour acheter la caisse. Oh, oh. Ah, il est arrivé avec ses grosses ailes de pigeon, là. Ah, véhicule qui arrive de toute force. Oula. Lui, ça me fait penser à... au tryharder de tout à l'heure, non? Ouais, exact, exact, c'est lui! Je t'ai niqué, Blue! J'ai eu ma revanche! Voilà, c'est bon. Ah, je suis content. Ah, j'ai vu les mouvements, j'ai vu le skin. J'ai dit c'est lui. Il est pas... Ah si, il avait ses armes. J'étais sûr que c'était lui. Par contre, c'est vrai que ça a l'air mieux les... ça maintenant. C'est lui, hein. Allez, dégage de là, toi. T'as trop cru vraiment que j'étais un pigeon. Allez. Voilà, lui, normalement, on a pu le revoir. C'est bon. Il commence à m'emmerder. Allez, on se barre de là. Ah, c'est bon. J'ai eu ma revanche. J'ai eu ma revanche. Tout à l'heure, il m'a tué d'une belle façon. Bah là, il ira au lobby. Il va relancer une petite game, monsieur. Ah, il l'a pris. C'est ça tout à l'heure qu'il est passé. Ah, c'est lui que j'ai tué tout à l'heure en plus. What? Non, il avait pas le redéploiement. Quand je l'ai tué, je l'aurais vu s'il avait le redéploiement. Je sais pas s'il a récupéré. Je pourrais prendre la caisse directement, mais ouais, ça ira plus vite.
Mais j'aime pas aller dans l'eau, quoi. Je trouve que c'est tellement... tellement vulnérable, quoi. Ah ouais. Y'a combien de mecs là en fait? Y'en a trois, non? Y'a le mec qui tire au loin, y'a le gars que j'ai tiré dessus, y'avait un autre gars qui est arrivé qui est pas lui. Et j'ai plus de plaque. Par contre, les boîtes de plaques qui sont passées à 4 au lieu de 6. Oh merde. Oh merde. Mauvaise... Mauvais choix stratégique là. Après, avec une classe rapide, ça pourrait être satisfaisant en fait ce viseur là. Mais le kata MR est trop lourd en fait pour ça. Mais sur un XRK, bien léger, ça pourrait être sympa comme gameplay. Hein. On va tester après. Un petit one shot à cette distance, ça serait de toute beauté. Bon, je suis au bord zone, donc je suis bien en tête. Pas forcément besoin de bouger pour le moment. On va essayer de voir s'il y a moyen de mettre un petit long shot avec le 4. Pas... Après, c'est ça l'inconvénient des fois quand tu passes d'un sniper à l'autre. Tu vois, là, j'ai joué avant avec les balles explosives sur le MCPR ou le Victus. Forcément, tu dois calculer la retombée violemment, quoi. Et encore pire quand j'ai joué à arbalète. Que là, bah, il y a une retombée, mais elle est pas non plus... Je pense pas qu'elle soit si violente. La vitesse des balles, oui. Donc c'est-à-dire que si le gars est en train de courir, tu dois quand même essayer d'anticiper un peu le mouvement. Mais je pense pas que la retombée des balles soit... Elle est présente, mais elle est pas si forte. C'est-à-dire que, comme d'habitude, j'ai le viseur. Bah, j'ai l'impression que le gars est loin ou pas loin. Et là, comme là, j'ai pas de viseur, j'ai de toute façon l'impression que le gars est super loin. Alors que finalement, c'est quoi? C'est 230 mètres? C'est pas si loin que ça, en fait, pour un 4. La vérité, je suis pas loin du tout, hein. Putain, t'imagines, tu mets ça? Ça
Je sais pas si la retombée, elle est... Bon. Dommage. Ah, je pense pas que je vise trop, hein, parce que à cette distance, il y a quand même pas mal de retombées. Hein. Mais bon, on essaye. Hein. Il y a que ceux qui n'essayent pas qui découvriront rien. Il m'a dit good shot, j'étais bien niqué. Hein. C'est vrai que là, je vais pas le cacher. J'étais bien niqué. Mais tu vois, je serais avec le XRK, je pense que ça serait beaucoup plus intéressant, surtout à cette distance-là. Ah ouais. Ouais, écoute, c'était pas une game incroyable, mais bon, KTMR avec le laser morse, là, l'espèce de petite mire, on le voit pas souvent non plus. Mais les gars, je sais pas comment il a fait pour me voir à travers la fumigène. Il avait une thermique peut-être? Ah ouais, il avait peut-être une thermique. Parce qu'il y a la fumigène et tout, j'arrive sur le côté, le gars il me shoot déjà dessus, je fais bon. Ok. Bon, combien? 11 frags. Oh, ça va, c'est correct. C'est correct. Si c'est plus de 10 kills... Ça reste correct. Bon, bah, avec le KTMR, en vrai, je le recommande pas parce que c'est pas foufou. Mais bon, pour le côté un petit peu, on tente des choses, c'est sympa. C'est sympa.